Alors, pour introduire, pardon, notre méditation d'aujourd'hui, je vous invite à faire plusieurs lectures. La première sera dans le livre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et on lira à partir du verset 10. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints, pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. On fera une seconde lecture dans l'épître de première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, et on ira à partir du verset 18. L'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages des prophètes énoncés précédemment à ton intention, c'est que t'appuyant sur eux, tu mènes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Seconde lecture, toujours dans l'épître de Paul à Timothée, première épître de Paul à Timothée au chapitre 6, et on lira les versets à partir du verset 3. Si quelqu'un propage d'autres enseignements et ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des débats et des querelles de mots. De là naissent envie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables de gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité, qui considère la piété comme une source de profit. Certes, c'est une source de profit que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve ou dans la tentation, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plonge les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, mène le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Une semaine dernière, nous avons médité sur l'ordre établi par Dieu concernant notre âme, esprit et corps. On a réalisé que par la chute, c'était l'âme qui avait pris une autorité qui n'était plus la sienne, qui n'était pas la sienne sur notre corps et sur notre esprit, et que les hommes, en ayant abandonné
les voies de Dieu, le commandement de Dieu, et en s'éloignant de Dieu et en rejetant Dieu de leur société, ont fait en sorte que l'Esprit de Dieu lui-même s'est retiré de l'homme. Et que, quand on a donné sa vie à Christ, l'objectif de Dieu, c'est de rétablir cet ordre initial, c'est-à-dire d'avoir un esprit qui commande à notre âme, qui, elle, va exprimer les sentiments et les émotions à travers notre corps. Et la méditation d'aujourd'hui va être un peu une suite, ou du moins la prédication de la dernière fois a été une bonne introduction, parce qu'il m'a été fait une demande sur la prière, notamment sur la chaîne, sur la prière et le combat. Alors évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif sur le sujet, mais je voudrais avoir abordé avec vous quelques pistes de réflexion sur ce point. L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, « Soyez puissants de la puissance de Dieu ». Alors si je fais une prédication, mes frères et sœurs, aujourd'hui on va parler sur la puissance. Là je vais éveiller de l'intérêt. Parce que les hommes par nature aiment bien avoir de la puissance. Et alors on espère quoi? Ben on espère que le Seigneur, grâce à nous, va pouvoir guérir des malades, chasser des démons, ressusciter des morts, prouver à tous que l'évangile que nous prêchons est le bon évangile. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, je ne vais pas dire que c'est pas biblique, ça l'est tout à fait. Mais, et il y a un grand mais, si notre motivation n'est que cela, nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Si chaque jour de nos vies, nous nous chargeons de nos croix, de notre croix, que nous acceptons la mort à notre propre vie, pour faire la volonté de Dieu seul. Alors, nos pensées, nos sentiments, nos émotions sont transformées en l'image de celle du Christ. Du moins, nous exprimons ces sentiments, ces émotions du Christ. À partir du moment où nous en sommes là, nous pouvons rentrer dans ce que Paul appelle le combat de la foi. Parce que notre esprit étant influencé, étant inspiré, étant conduit par l'Esprit de Dieu, il nous est possible d'exprimer donc les sentiments, les émotions qui sont issues de l'Esprit. Or, à travers les sentiments et les émotions qui sont issues de l'Esprit, va germer en nous des pulsions de prière, d'intercession, d'adoration, de louange, qui viennent directement de l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes dans la pensée de Dieu et nous devenons de ce fait collaborateurs avec Dieu pour accomplir son œuvre. Et bien souvent, comme nous ne prêtons pas attention au fait de discipliner notre âme, c'est-à-dire nos propres sentiments, nos propres émotions, qui sont en règle générale conduits par notre propre chair, eh bien, nous ne discernons pas ce qu'il est bon de demander, pour qui il est bon, pourquoi il est bon d'intercéder, ou comment adorer et louer Dieu. L'apôtre Jacques nous disait bien, vous priez et vous ne recevez pas, parce que la raison est très simple, vous demandez mal. Comment ça je demande mal? Si je demande au Seigneur... bénis-moi, donne-moi ta grâce, accorde-moi ta paix, accorde-moi ton repos. Oui, mais pas à n'importe quelle condition. Jamais pour satisfaire notre chair. Il ne faut jamais oublier un élément essentiel qui est l'huile d'onction sainte ne devait jamais couler sur la chair de l'homme. Et il ne faut pas nous imaginer que le Saint-Esprit va oindre notre nature charnelle. Jamais. Jamais. Donc il ne va pas satisfaire nos propres envies, nos propres désirs, nos propres interprétations. Il nous faut nous soumettre au Seigneur pour cela. Et je pense que c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'exaucements. Il y en a des exaucements, parce que le Seigneur fait grâce. Mais parfois, dans nos assemblées, j'ai le sentiment que l'on est un peu comme ce paralytique au bord de la piscine de Bethsaïda, vous vous souvenez, 38 ans qu'il était là,
Et puis de temps à autre, un ange vient agiter l'eau. Alors là, on a une bénédiction. Et là, on peut en parler parce que dans la gazette de l'église, j'ai envie de dire, vous vous souvenez du miracle qui a été accompli il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et puis on se gargarise de ça. Mais la marche normale, c'est que ces choses arrivent en permanence dans l'église. Les exaucements de prières, les bénédictions. Ça, c'est la marche normale d'une assemblée parce que Dieu peut agir au sein de cette assemblée et qu'il n'a pas d'entrave charnelle, donc de nos propres âmes. Mais à partir du moment où nous mettons une barrière par nos âmes et nos propres entraves, eh bien le Seigneur, lui, peut faire grâce parce que, voilà, il a compassion de nous, il veut malgré tout nous bénir, mais il ne peut pas y avoir la plénitude de la bénédiction de Dieu. J'ai coutume de dire, le jour où cet homme-là était avec tous les autres autour de la piscine Bethesda, Jésus parcourait Jérusalem. La plénitude de la bénédiction était en Israël, en train de marcher, et eux attendaient toujours sous les portiques de Bethesda. Et nous sommes bien souvent assis et couchés près de notre piscine de Bethesda, attendons une petite grâce éphémère du Seigneur ou qui est parcimonique. Alors qu'on a la plénitude de l'œuvre du Christ qui est accomplie à la croix et qui est prêt à se déverser sur nos vies à partir du moment où nous devenons collaborateurs avec Dieu et non pas que nous demandions à Dieu de devenir notre collaborateur. Il y a une grande différence là. Il y a une grande différence. Et donc Paul nous parle bien d'être puissant de la puissance de Dieu. Et il nous parle de combat. Alors il y a, dans l'épître à Timothée, dans les deux passages que l'on a lus, il y a deux mots qui sont différents. Dans le premier passage que l'on a lu, c'est le mot stratéia. Et stratéia donne stratos, qui est le soldat. Donc là, il nous est bien à parler d'un combat, mais comme un combat d'une armée contre une autre armée. Nous allons au combat militaire. Stratéia, ça veut bien dire le mot qui parle d'une action militaire, un combat militaire. Dans le deuxième, c'est le mot agon. Et agon veut dire précisément le combat dans l'arène, c'est-à-dire dans les jeux. Et c'est très intéressant parce que au moment où il nous dit le mot agon, le combat dans les jeux, c'est remporte le bon combat de la foi. C'est-à-dire que, certes, ici-bas, nous sommes confrontés, comme nous dit l'épître aux Éphésiens, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous sommes dans un combat spirituel. Et donc nous sommes armés, nous sommes équipés comme un soldat. On va le voir tout à l'heure, on va préciser un peu. Donc l'armure, les chaussures, le casque, le bouclier, tout cela est important pour ce combat-là. Mais il y a un autre combat. C'est le combat de la foi. Et là, le Seigneur va nous utiliser, ou du moins, le Seigneur va utiliser deux axes dans nos vies pour que nous puissions remporter les deux combats, les deux formes de combat. Évidemment, le premier combat contre l'ennemi, bon, ça on va le développer, mais surtout le combat de la foi. Quel est-il? Eh bien, pour que notre foi soit éprouvée, pour que notre foi soit bien costaud, j'ai envie de dire, comme un muscle, il faut qu'on la fasse travailler. Donc le Seigneur va faire en sorte de faire travailler notre foi. Et pour ce faire, on va avoir deux exemples. Le premier exemple, alors je ne vais pas le lire parce que ça serait trop long. On va le prendre, on en avait courtement parlé il y a quelque temps. On va parler d'Abraham. Abraham vient de remporter la victoire sur les cinq rois qui ont emporté avec eux les habitants de Sodome et Gomorre, Lot. Et là, il vient de mettre, excusez-moi le terme, une bonne gifle à ces rois-là, et il a délivré tous les gens de Sodome, les rois de Sodome et Gomorre, Lot, son neveu, et il y a cet événement avec, vous vous souvenez, Melchizedek.
Et donc, il est victorieux. Et nous passons, la Bible nous fait passer Abraham sous un autre jour, tout de suite après. Il nous est parlé, l'Éternel dit à Abraham, ne crains pas, ne crains pas. Ça peut paraître bizarre comme question. Il vient de remporter la victoire sur les rois, sur les cinq rois. Il a été, j'ai envie de dire un culte avec Melchizedek. Ils ont offert de l'encens, ils ont offert un sacrifice, ils ont, invoqué le nom de l'Éternel. Il est victorieux. Et le Seigneur lui dit, ne crains pas. Et la réponse d'Abraham est complètement bizarre. Plutôt que de dire au Seigneur, je crains pas, tu sais, Seigneur, je viens de remporter la victoire par ta grâce, certes. Mais, je crains pas. Non, il dit, comment veux-tu, puisque tu ne m'as pas donné de descendance. Alors là, c'est très étrange. C'est un passage extrêmement étrange. Quand on le lit, on passe, voilà. Mais, réfléchissons 30 secondes. Ah, Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur. Et Abraham lui dit, j'ai pas de descendance. Et il lui dit, effectivement, celui qui héritera de mes biens, c'est mon serviteur Eliezer. Parce que j'ai pas de descendance. Et Dieu lui dit, non. Ton héritier sortira de tes reins. Il sera de ta semence. Abraham avait près de 100 ans. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut compté comme justice. Et il est là le secret. Qu'est-ce qu'a fait Dieu à ce moment-là ? Abraham a eu 10 épreuves. Ça a commencé par Lech Lecha, sors de ton pays, va pour toi, va vers toi, va vers le pays que je te montrerai. Quitte tout, ses biens, c'est sa famille, sa patrie. Et il s'en va vers l'inconnu. Et puis il y a eu l'épreuve du Pharaon, il y a eu l'épreuve d'Abimelech, il y a eu l'épreuve de la famine, il y a eu toutes sortes d'épreuves, jusqu'à la Hakeda, c'est-à-dire la ligature de Yitzhak. Et l'Éternel lui a toujours dit, je ferai de toi une grande nation, ton nom sera grand, je te donnerai une terre, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà les promesses de Dieu à Abraham. Or, toutes les promesses que Dieu a faites dépendent d'une seule chose. C'est qu'Abraham ait un fils. Et Sarah était stérile. Et Abraham, quelque part, il répondait au Seigneur, « Oui, je suis victorieux, magnifique, Seigneur, tu me bénis. Seigneur, tu me donnes la victoire sur l'ennemi. Oui, mais qu'en est-il de tes promesses ?» En fait, Dieu permet à ce moment-là, par cette question, qu'Abraham sorte du bois, se révèle son cœur. Et on peut vous dire qu'en révélant son cœur, Abraham dit, ouais, mais je paraphrase en quelque sorte, écoute Seigneur, t'es bien gentil, mais tu m'as fait beaucoup de promesses. Mais il n'y a rien qui s'accomplit. Dieu semble ne pas répondre à Abraham. Il n'y a rien qui s'accomplit. Alors aujourd'hui, tu me dis, n'aie pas peur, tu as vaincu les rois, tu as délivré ton neveu, tu es un ami pour moi. Oui, oui, certes. Mais si tes promesses ne s'accomplissent pas, quel Dieu es-tu? Et Dieu lui répète, ce sera ta semence. Et maintenant, Abraham sort de ta tente, lève les yeux. Et ça, c'est dans une notion de révélation. C'est lever les yeux dans la Bible, le terme hébraïque a une notion de tout d'un coup, quelque chose s'illumine. C'est pas simplement regarder par-dessus notre épaule, c'est vraiment avoir une illumination, une révélation. Et il lève les yeux et compte les étoiles du ciel. Ta descendance sera innombrable. Plus grande que le nombre des étoiles que tu puisses voir. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il croit en Dieu. Il n'a
aucune autre certitude que la parole de Dieu, que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Et qu'est-ce qui a justifié Abraham ? Pas le fait qu'il ait remporté la victoire sur les rois, pas le fait qu'il était celui qui avait délivré Lot, pas le fait qu'il était un ami de l'Éternel, non, qu'il a cru ce que l'Éternel disait et lui a fait confiance. C'est ça qui l'a justifié. C'est sa foi qui l'a justifié. Et c'est de cela dont nous parle Paul à Timothée. Il dit, Agone, le bon combat, tu es dans l'arène là. Là, tu dois remporter un prix. Et le prix de ta victoire, c'est le combat de la foi que tu vas remporter de manière à avoir la couronne de vie. C'est ça le vrai combat, la couronne de vie, c'est la couronne du vainqueur. Vous saviez qu'il y avait une couronne de laurier sur les vainqueurs des jeux dans les arènes ou des jeux du cirque. Et Paul dit ça à Timothée, Agone, c'est exactement le même combat qu'a mené Abraham à ce moment-là, le combat de la foi. Là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de muscler ta foi. Alors, oui, il va pas te répondre tout de suite. Ou il va pas te répondre comme tu l'imagines. Ou alors il va tarder dans sa réponse. Ou alors, que sais-je encore? Le Seigneur est en train de muscler ta foi. Tu crois toujours ou pas? Question. Sommes-nous des enfants charnels qui vivons selon notre âme? C'est-à-dire que ce n'est pas notre esprit qui nous conduit, mais notre âme. Auquel cas, la réponse, elle est très facile à trouver. Le Seigneur ne répond pas. Résultat, murmure, récrimination, rébellion, révolte, rejet de Dieu. C'est exactement ça qui se passe dans nos vies si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Notre chair n'a pas ce qu'elle veut tout de suite, comme elle le veut, de la manière dont elle le veut. Alors, oui, Dieu, ta parole, ça sert à rien. Tiens, je la jette par terre. De toute façon, tu promets, mais tu ne tiens pas tes paroles. De toute façon, comment croire en toi? Est-ce que tu vis encore? Dieu est-il parmi nous? Amalek, Safek, le doute. Dieu est-il réellement parmi nous? Oui, c'est bien, la Bible, elle nous dit des choses. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on prie, le Seigneur ne répond pas. Or, tu sais quoi? Hein, moi, je vais faire ma vie. Si tu as vraiment envie de me répondre, bah, tu me réponds. Et puis si tu me réponds pas, bah écoute, moi le salut ça me suffit, j'ai pas besoin d'en avoir plus, et puis de toute manière ça me plaît pas, et puis je veux pas vivre comme ça. Vous voyez un peu? Vous voyez l'esprit qui anime là? Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le serpent qui siffle à travers notre âme, et ce sont les sentiments et les émotions de notre âme conduits par notre chair qui elle-même est influencée par le serpent qui vient amener « Dieu a-t-il réellement dit ?» puis de toute façon ça sert à rien, et puis la parole de Dieu n'est pas la vérité. Voilà ce qui se passe. Et là, nous chutons, non pas spirituellement, je veux dire, on n'est pas perdu, mais nous chutons quant à la foi. Nous trébuchons alors qu'on doit remporter une course, on s'effondre, on tombe. Et ceux qui courent avec nous peuvent nous dépasser parce que nous sommes là empêtrés dans nos propres conceptions de ce que doit être la course. Le Seigneur nous dit, je te donne les armes qu'il te faut pour mener le combat contre mon ennemi, et je te demande de remporter le prix de la victoire de la foi. Crois, même si tu ne vois pas. C'est un principe de base de la foi. Pourquoi c'est un principe de base? Pour une raison très simple. Adam, quand il était dans le jardin, à partir du moment où il était confronté à une situation, il demandait à Dieu, il avait la réponse tout de suite, c'était direct, il n'y avait pas d'ombre, le Seigneur se révélait à lui pleinement, et malgré ça, ça l'a pas empêché de pécher. En ayant la plénitude de la connaissance de Dieu, en étant en contact direct de Dieu, en ayant la pensée de Dieu directement, sans qu'il y ait une histoire de foi, il marchait par la vue. Il marchait en communion avec Dieu. Il n'avait pas à se poser de questions. Son Créateur était là, voilà, il doutait pas. Mais ça l'a pas empêché de se rebeller. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il a eu dans sa pensée, tiens, eh bien moi je vais supplanter Dieu. C'est toujours le même problème. Je vais supplanter Dieu. Alors Dieu a établi une règle simple. Je ne me révèle plus, je me cache. Celui qui a faim et soif de moi doit me chercher. Et je me laisse trouver par celui qui me cherche. Mais la foi doit être éprouvée.
Parce que comme je vais vous mener au combat contre mon ennemi, si vous n'êtes pas avec une foi ferme, résolue, qui soit solide, qui soit musclée, vous allez vous faire laminer par l'ennemi. Parce qu'attention, si vous n'êtes pas capable de mener le bon combat de la foi, c'est-à-dire agone, la course, et que vous trébuchez, qu'est-ce que ça va donner quand vous allez être confronté à Stretia, pardon, le combat du soldat contre les forces de l'ennemi? Vous allez vous faire détruire. Donc je suis bien obligé de travailler votre foi pendant ce temps-là. Alors il y a une œuvre qui doit se faire. Est-ce qu'on croit? Et là, Abraham, il n'avait pas la réponse. Ben, du moins comme il l'imaginait. Donc il a échafaudé des plans. C'est pas... Dieu ne lui a pas reproché de dire... parce qu'il n'a pas reproché à Abraham le fait que celui-ci lui dise « c'est mon serviteur Eliezer qui va être mon héritier ». Non. Il n'a pas fait ce reproche-là. Pourquoi dis-tu que c'est Eliezer alors que j'étais... Non. Abraham échafaude des plans logiques par rapport à une situation donnée. Et le Seigneur lui dit « Non, c'est pas ma volonté ». Ah, c'est quoi ta volonté? Ça sera un enfant de ta semence, de ton sang. Ok, très bien, je te fais confiance, je te crois. Parfait. Maintenant, je sais que c'est pas Eliezer qui est mon héritier. Entendu. Évidemment, Satan, il vient pas, s'il peut pas passer par la porte, il va passer par la fenêtre. Et puis Sarah, elle dit, écoute, franchement, Abraham, on est bien gentil, mais j'ai 90 ans. Ça y est, je peux plus avoir d'enfant, j'en aurai plus. Toi, tu es âgé. Alors, si l'Éternel t'a dit que c'était par ton sang, je crois qu'il y a une solution. On va faire ce qui est coutumier dans l'époque dans laquelle nous vivons. Je vais te donner ma servante pour avoir un enfant de toi, et j'adopterai cet enfant, et ce sera le nôtre. Et Abraham a dit, pourquoi pas? Et c'est là où Abraham a fait une erreur, a fait une faute. C'est que ça, ça a été sa propre interprétation de ce que Dieu disait. Alors c'est devenu l'enfant de la chair, Ishmaël. Et nous dit le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, Ishmaël était l'enfant de la chair, les promesses sont pour l'enfant de la promesse, justement. Yitzhak. Donc vous voyez qu'on peut se fourvoyer nous-mêmes dans ce que doit être la réponse. Et l'Éternel a un plan bien établi. Mais si nous ne cherchons pas sa pensée, « Seigneur, il faut que tu sauves les âmes dans cette région de telle et telle manière, nous allons faire ci, nous allons faire ça. » C'est pas mon plan. C'est pas comme ça que je veux faire. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire de cette région, comment sont les âmes, quelle est la pensée des âmes profondes. Laissez-moi agir à travers vous de manière à ce que je puisse les toucher de telle et telle manière, vous allez faire ça. Et regardez le ministère de Jésus comme il était erratique. Un coup, on le voit en Galilée. Et après, il va dans la Décapole. Et il revient en Galilée. Et il descend en Judée. Et il va en Samarie. Et il redescend en Judée. Je dis, mais... Le plan d'évangélisation d'Israël, Jésus, c'est pas folichon, hein. Attends, nous, on a des gars... Ils sont super organisateurs, ils vont te faire une campagne d'évangélisation aux petits oignons, on va passer du nord au sud et puis tout le monde sera touché. Tu veux pas qu'on te fasse le plan? Le Seigneur il dit non, ça m'intéresse pas votre plan. Pourquoi? Parce qu'il y a une Samaritaine qui va sortir à telle heure, à tel jour, qui a besoin de moi à ce moment-là. Et puis après, il va y avoir Anaïn, la petite jeune fille qui est morte. Il faut que sa mère ait la réponse. Et puis un jour, on va m'appeler parce qu'il y a Lazare qui est décédé. Mais je devrais attendre qu'il reste quelques jours dans le tombeau. Parce que pendant ce temps-là, Marie et Marthe sont éprouvées dans leur foi. Et je serai leur réponse. Et puis, il va falloir que je retourne en Galilée. Parce qu'il va falloir justement là que Pierre comprenne qu'il n'a rien pris dans la nuit. Mais qu'il va avoir une pêche miraculeuse. Parce que cette pêche miraculeuse va avoir une répercussion eschatologique. Mais plus que ça, ça va être la réponse d'un psaume qui a été donné par mon aïeul, le roi David. Il faut que j'accomplisse la parole de Dieu. J'en ai pas besoin de ton plan. Ton plan d'évangélisation, j'en ai pas besoin.
parce qu'il ne répond pas du tout à la logique de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Point barre. On doit le comprendre, ça. Alors la réponse pour Abraham, ce n'était pas celle qu'il attendait. Mais Dieu a fait grâce, et Yitzhak est l'enfant de la promesse. Et puis il y a un autre passage, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il guérit des malades. J'ai toujours fait phénoménal pour vous montrer comme quoi c'était la logique de la marche de l'Église, et que bon, voilà, Paul prêche pendant des heures, ça va tard dans la nuit. Il y a un jeune homme qui est là en train d'écouter Paul prêcher. Comme ça dure pendant je sais pas combien d'heures, il s'endort, il était à la fenêtre, il tombe, il se tue. Paul, il dit, pardon, j'ai un petit problème, il descend, il ressuscite le mort, et il reprend la prédication. Je suis convaincu que si on est dans une église aujourd'hui, dans une de nos assemblées, il y a le prédicateur qui est en train de prêcher, il y a quelqu'un qui se tue, il arrive, il le ressuscite, il poursuit sa prédication, t'as tout le monde qui dit, bah, on va arrêter là, vous avez vu le miracle qu'il y a eu, mais vous avez vu, c'est incroyable, mais oui. Mais pour Paul, c'était, mince, il y a un petit incident, coupure de micro, non, bah lui, il a eu une coupure directe, je vais le ressusciter, puis je reprends un petit peu avant où tu en étais parce que tu t'es endormi, et puis bon, t'es mort entre deux, et puis je t'ai ressuscité, on continue la prédication, ça te va? Et on croit rêver, quoi. Mais c'est ça, c'était la marche normale, Paul n'avait pas de doute. Paul était là, mais Paul était mandaté par Dieu, mais Paul avait aussi une foi qui était elle-même fortifiée par Dieu, qui était éprouvée par Dieu. Donc Paul, quand il a eu ce qu'il appelle une écharde, d'ailleurs c'est un apax dans ce texte, apax c'était un terme qui n'a qu'une seule occurrence dans la Bible, il n'apparaît que là. Et le mot écharde, c'est le mot scolops. Et scolops vient de deux termes, qui veut dire, le premier veut dire qui est amaigri, qui est décharné, qui est desséché, et ça peut nous parler aussi de la jambe entière, donc de la hanche jusqu'au pied. Et l'autre terme veut nous dire qui montre, qui révèle, qui démontre. Donc c'est un dessèchement qui se voit, qui se démontre. Alors, est-ce physique, est-ce pas physique? C'est pas là la question. Il avait une scolops, une écharde dans sa chair. Et elle avait une raison particulière d'être là. Paul nous dit lui-même, à cause de la perfection de la révélation de la grandeur de la révélation que j'ai reçue du Christ, Dieu a permis que j'ai cette scolops, cette écharpe dans ma chair, afin que je ne tombe pas dans l'orgueil. Et il va plus loin, et il a permis que un ange du Shatan me soufflette, me frappe. Et donc on comprend que ça, cette fameuse écharpe dont nous parle Paul, c'est un ange de l'ennemi qui vient le frapper. Et donc Paul, logique, hein, comme d'habitude, « Seigneur, tu me délivres ça, je suis délivré, tu ne permets pas que l'ennemi ait une porte d'entrée dans ma vie. Seigneur, enlève cette écharpe, s'il te plaît, merci. Je te rends grâce, je te loue et je te bénis, Père, merci. » Et pas de réponse, l'écharpe est toujours là. Paul prie une deuxième fois. Et les deux fois, réponse de Dieu, « Ma grâce te suffit. » Et oui, Seigneur, ok, ta grâce me suffit. Ça, c'est pas de problème, ça je l'entends bien. Mais Seigneur, là, il y a un agent de Satan qui me soufflette là. L'ennemi me frappe là, Seigneur. Je suis un de tes enfants. Tu peux pas permettre ça, tu ne permets pas ça. Troisième fois, Seigneur, délivre-moi de cela. Je ne permets pas à l'ennemi de prendre autorité sur ma vie et de pouvoir agir sur ma vie. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, et là tout d'un coup Paul, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Dieu permet cela de manière à ce que je sois affaibli, de manière à ce que les hommes ne voient pas Paul comme étant le plus grand prédicateur qui est de tous les temps, qu'ils ne le voient pas comme celui qui a la plénitude de la pensée de Dieu, qui guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, mais ils veulent voir quelqu'un de faible, qui est faible par nature, mais qui est fort de la force de Dieu. Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, dit Paul.
tout compris. Il a tout compris. Je suis affaibli par Dieu parce que Dieu me garde, en fait, du péché d'Adam ou du chérubin, Lucifer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai tellement de révélations de Dieu. Il y a une telle grâce sur la vie de Paul qu'il peut très bien se regarder lui-même comme étant l'apôtre des apôtres, le chrétien des chrétiens, le sphinx, le phénix de ses bois. Magnifique. Regardez-moi, apôtre Paul, c'est moi qui apporte la vraie parole de Dieu. Vous devez m'écouter parce que regardez, j'ai la preuve. Vous avez vu tous les miracles que j'ai accomplis? Alors, Dieu lui dit, je vais te faire une grâce supplémentaire. Ma grâce te suffit, je vais te faire une grâce supplémentaire. Seigneur, je veux bien, je t'affaiblis. Pas compris comme ça, moi, Seigneur. La grâce, pour moi, c'était que tu me donnes encore plus de puissance. Normal, hein? Non. Ma grâce te suffit, je t'affaiblis, et donc tout le monde sera obligé de voir que toi, Paul, t'es faible, et que si tu es fort, c'est par ma grâce, et parce que moi, j'accomplis ma puissance dans ta faiblesse. Et qui est glorifié? C'est pas la jarre de terre qu'est le corps de Paul. C'est pas cet amphore de terre. Nous sommes un vase d'argile. C'est pas ce vase d'argile que les gens vont voir et vont adorer. C'est ce qui est à l'intérieur du vase d'argile. Si je tape sur le vase d'argile, il se fissure, il se casse, il se brise. Mais le diamant qui est dedans, c'est Christ. Et là, tout le monde va dire, attends, comment se fait-il qu'un vase d'argile si faible, si fragile, puisse aller au contact dans les combats contre l'ennemi, le Satan, et ne pas se briser entièrement et être détruit? Parce qu'il y a une force dans ce vase d'argile. Il y a une puissance qui vient de la puissance de Dieu. Parce que Dieu garde Paul. Parce que Dieu agit à travers Paul. Parce que Christ peut accomplir la plénitude de sa pensée à travers Paul. C'est ça sa force. Et c'est tout ce que voulait dire, c'est ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, est-ce que nous acceptons d'être affaiblis par Dieu? Ça va être le chemin de la foi. Ça, tout chrétien est confronté à ce combat, à cette course dans l'arène, et nous pouvons perdre notre couronne à tout instant. À partir du moment où nous rentrons dans le doute, à partir du moment où nous nous détournons de Dieu, à partir du moment où nous abandonnons cette position du fait que notre esprit doit commander à notre âme, qui elle-même doit commander à notre corps, donc nous ne nous soumettons plus à Dieu et nous pouvons perdre notre couronne parce que nous allons rentrer dans une rébellion, parce que nous n'avons pas la réponse comme nous la souhaitons. Ça, c'est immanquable. Et donc, il nous faut persévérer. Et Paul dit, et une fois que tu es dans le combat, tiens bon. Vous prenez une position, on le voit dans Philippiens. Alors là, par contre, on est dans un autre combat. On est dans le combat contre l'ennemi, mais quand même, c'est du même ordre. Alors, où est-ce que c'était? Prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Vous avez vu, il insiste. Après avoir mis tout en œuvre, qu'est-ce que c'est mettre tout en œuvre? Eh bien, c'est justement quand vous avez votre foi qui est affermie dans la parole de Dieu. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir vous équiper. Vous allez être équipé. De quoi? De l'armure de Dieu. Et là, c'est très intéressant. Donc, une fois que vous avez mis tout en œuvre, que votre foi est affermie, que vous continuez sur ce combat de la foi, tenez bon, restez fidèles. Il y a tout, ça dépend de nous, hein. Ça, c'est pas Dieu qui le fera pour nous, hein. Tenir bon, c'est nous qui maintenons la position. C'est nous qui disons, Seigneur, envers et contre tout, je me confie en toi parce que ta parole a dit. Alors, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Saignez la ceinture de vérité. Vous savez qu'à l'époque, pour pouvoir marcher, les hommes et les femmes prenaient le bord de leurs vêtements, ils avaient des vêtements longs, et le
le coincer dans leur ceinture, de manière à pouvoir avoir un pas qui ne soit pas entravé par le tissu. Donc, ils relevaient le pan de leur vêtement, ils le coinçaient dans la ceinture et ils avaient une amplitude de mouvement plus grande pour la marche. Et donc, il leur fallait une ceinture. Qu'est-ce qui va nous permettre de libérer notre marche spirituelle? Et qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir une marche non entravée dans le combat contre l'ennemi? La ceinture de la vérité. Si nous commençons à vouloir marcher sur la base du mensonge, alors là, nous allons être empêtrés dans, entre guillemets, notre vêtement, empêtrés dans notre mensonge, empêtrés dans tout ce qui est un peu alambiqué, et on chutera. Mais il y a un autre aspect encore, parce que qui est la vérité? C'est Christ. Et Christ est notre ceinture. C'est par Christ que nous allons pouvoir marcher sans entrave, libérés de toute entrave qui va modifier notre marche, qui va ralentir notre marche, qui va empêcher notre marche. Et la cuirasse de la justice. Alors, tant qu'on est dans le combat, la justice, c'est une cuirasse. Quand on sera dans le millénium, ce sera un vêtement blanc. Le vêtement blanc de la justice. Nous sommes justifiés par Christ. Mais là en bas, dans le combat dans lequel nous sommes amenés à combattre, c'est une cuirasse. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des coups d'épée, on va prendre des flèches, on va prendre des coups de lance. Et qu'est-ce que c'est que la justice? Eh bien, c'est de croire qu'en Christ, nous sommes pleinement et puissamment justifiés à la croix. Parce que Satan va venir. C'est quoi les coups d'épée? C'est quoi les coups de lance? C'est quoi les flèches? Tu dis que tu es juste? T'as vu ce que tu as fait là? C'est la condamnation. Condamnation permanente. Jour et nuit, nous sommes accusés devant l'Éternel. Il y a des démons qui viennent nous accuser devant l'Éternel jour et nuit. Et si nous n'avons pas saisi la justification en Christ, ne pas le fait que nous sommes justifiés comme ça, non. Christ est la vérité, mais Christ est notre justice. Si Satan vient vous accuser, ne discutez pas avec lui. Tu veux m'accuser? Va voir Jésus. C'est lui ma justice. Règle ton problème d'accusation avec Jésus. Et vous verrez, il fuira loin de vous. Parce qu'il sait très bien qu'il est vaincu à la croix. Il sait très bien, Satan. Mais alors, il va essayer de vous amener dans un état d'esprit. Alors, il va utiliser les circonstances. Et là aussi, en même temps, Dieu agit sur votre foi. Vous avez vu que le combat se mène de front? Les deux combats se mènent de front. Notre course dans l'arène est également notre aptitude à combattre sur le champ de bataille de l'ennemi. Et l'apôtre nous dit, et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On va voir tout à l'heure, rapidement, ce que c'est. Mais là, d'abord, l'arme, les armes que l'on a. Vous croyez que Christ est votre justice? Vous êtes justifié en Christ? Alors, qu'est-ce que l'accusation vient faire dans votre vie? Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ, dit Paul aux Romains. Point! Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on ne le croit pas? Oui, mais dans ma vie, je vois bien qu'il y a des faiblesses. Je te demande pas de marcher par la vue. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu confesses la parole de Dieu même lorsque tu ne vois pas le résultat dans ta vie? D'accord, je le crois. Seigneur, je prends la position de croire. Ça, c'est tenir bon. Autrement, c'est flancher. Et l'apôtre Paul, il dit, une fois que vous avez tout accompli, tenez bon. Allez, tenez bon. Deux fois qu'il le dit. C'est important. Qu'il le répète deux fois, c'est hyper important, parce qu'il sait que là, on va être dans un combat où Satan va mettre toutes ses armes et toutes ses armées pour nous faire trébucher, pour nous faire sortir de notre position de foi, pour nous faire sortir du combat, pour nous mettre hors de combat. Et c'est ça la prière et l'intercession. C'est-à-dire que nous allons intercéder selon le cœur de Dieu, nous allons prier selon le cœur de Dieu, et
cette intercession, cette prière, cette louange, cette adoration va être le fruit d'une union et d'une communion avec le Père en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit prier en tout temps par l'Esprit. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit « Priez sans cesse !» Priez sans cesse, on fait comment, Seigneur ? Mais la prier, c'est comme une respiration. Il y a une expiration, une inspiration, expiration, inspiration. On entend Dieu, on parle à Dieu. On est en communion, on marche tous les jours avec lui. Et la prière, c'est pas « je vais me mettre à genoux pendant 2 heures par jour et puis me frapper la poitrine ». C'est pas ça la prière. La prière, c'est vous êtes dans votre travail, vous êtes en train de vaquer à vos occupations, puis d'un coup, tiens Seigneur, je pense à ça. Tu penses quoi de cette situation ? Puis là, vous avez parlé à Dieu. Puis Dieu, tout d'un coup, va vous répondre. Tout d'un coup, vous allez tomber sur un texte, ou alors vous allez avoir le Saint-Esprit qui va vous parler, ou que sais-je encore. Et puis, ah oui, tiens Seigneur, merci. Et puis, je te mets cette situation, parce que là, toi, je suis confronté à une difficulté. Mais vous sentez que l'Esprit de Dieu est là. Et puis, il y a des moments, vous êtes confronté dans le combat à ne pas savoir quoi dire. Vous êtes là, c'est tellement immense. Qu'est-ce que je dois demander? Comment faire et tout? Alors là, il y a le parler en langue. Parce que vous faites taire votre intelligence et vous laissez l'esprit prendre le relais. C'est-à-dire que vous court-circuitez, votre intellect, vos interprétations, vos émotions et vos sentiments, et vous laissez l'esprit prendre le relais. Et alors là, il y a une prière qui est faite par l'esprit directement à travers vous. Et le Seigneur sait ce qu'il doit demander vous faire. Et c'est comme ça que l'on s'édifie soi-même. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous qu'on ne soupçonne même pas, mais que l'esprit amène à la lumière de Dieu pour que ça soit réglé. C'est pour ça que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il fait ressortir des choses que nous ne voyons. C'est dans notre inconscient. Nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. Nous ne le saisissons pas. Mais pourtant, il faut que ça soit traité parce que c'est la racine de ce qui se passe au niveau de notre conscient, de ce que nous déterminons. Alors à ce moment-là, si la racine n'est pas enlevée, les fruits vont demeurer. Alors le Saint-Esprit, lui, va régler tout ça. Puis pour d'autres situations également. Mettez la cuirasse de la justice. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Alors là, c'est intéressant aussi. Vous savez que les chaussures nous protègent du sol. Et ce sol est maudit. Ce sol, c'est la nourriture du serpent. Et notre marche ne doit pas se faire en étant posé sur la nourriture du serpent, sur une terre maudite. On doit marcher selon la pensée de Dieu. Alors, c'est quoi ? Ben, la bonne nouvelle de la paix, c'est pas rentrer dans des querelles, dans des provocations, dans des choses qui, les disputes de généalogie, les discordes, oui mais ce texte a dit si, mais moi je le pense comme ça, puis de toute façon toi tu te trompes, tout ça c'est la nourriture du serpent. C'est la nourriture qui va faire nous diviser. Le serpent divise, le Messie unit. Le serpent divise, le Messie unit. Diabolos, c'est le diviseur. Le diable, c'est celui qui divise. Il divise les familles, il divise les communautés, il divise les hommes, il divise les couples, il divise les parents et les enfants. C'est un diviseur. Et si vous êtes en train de marcher sur sa nourriture sans avoir une protection et sans rejeter toutes ces querelles et ces discordes qui n'ont aucun sens, alors vous serez divisé. Vous marcherez sur la nourriture du serpent, celui qui va vous diviser. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais, du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, pour se faire rester éveillé. Et là, vous avez donc le bouclier de la foi. Eh bien, ça c'est la même chose que l'on a dit tout à l'heure. À partir du moment où vous allez être raffermi dans votre foi, qu'elle va être musclée, eh bien, faut pas vous imaginer que le combat, là, qu'on va mener, ou qu'on est en train de mener, Satan ne nous connaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus quand il était dans le désert, quand il a été emmené par l'Esprit dans le désert, notre Seigneur? Eh bien, Satan, il a utilisé la parole.
Il est écrit. Alors fais ça, puisqu'il est écrit. Si on n'a pas le bouclier de la foi, ça, c'est le trait enflammé, c'est une flèche enflammée, c'est-à-dire qu'elle est particulière. C'est pas celle qui va être tirée sur notre cuirasse de justice, le coup d'épée ou de la lance. Non, celle-là, elle a le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est ce qui va embraser votre âme. Donc, il va essayer de nous titiller, nous inciter. Il est écrit. Vas-y, fonce. Enflamme-toi. Fais ce que je te dis. Non? Il a dit que les anges viendraient pour garder tes pieds si tu tombes. Il le met en haut du temple. Jette-toi. Prouve-moi. Prouve-moi. Allez, vas-y. Prouve-moi que la parole est juste. Et vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient vous mettre un défi comme ça, ou qui vient vous provoquer comme ça, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, là, si vous laissez votre âme agir? Ah oui, c'est comme ça que tu veux jouer. Ah, c'est comme ça que tu veux. Et là, il y a un feu qui brûle, et tout d'un coup, il y a une colère qui vient. Eh ben, je vais te le prouver, moi. Et là, c'est lui qui a gagné. Parce qu'il vous a amené sur son terrain, tout en utilisant la parole. Ça, c'est un trait enflammé. Ce qui va enflammer vos sentiments et vos émotions charnelles et non pas spirituelles. Le bouclier de la foi. Tu peux me proposer toutes les challenges, entre guillemets, que tu veux, Satan. Non. Il est écrit. Ma confiance est en Christ. Point. On ne discute pas. Et l'épée de l'esprit, vous avez noté que là, il n'y a pas de différence entre la parole et l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Et la parole, nous dit Paul, la lettre tue. La lettre est morte. Par essence, la lettre est morte. Et pourtant, il nous parle de l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien, la lettre est morte à partir du moment où l'esprit de Dieu ne la saisit pas. Mais quand l'Esprit de Dieu, dans notre esprit, saisit la parole, cette parole prend vie. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et voici quoi? L'Esprit de Dieu virevoltait au-dessus de l'abîme. Attendons quoi? Une parole. Parce que quand il est donné une parole en esprit, l'Esprit accomplit la parole. Donc, quand l'Esprit vient saisir la parole de Dieu, cette parole prend vie et cette parole s'exécute. Mais si nous essayons de forcer Dieu dans nos conceptions, dans notre propre combat charnel, nous demandons à l'Esprit de donner vie à la parole selon nos modalités. Et ça, le Saint-Esprit ne le fera pas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des guerres entre chrétiens et entre communautés, et ça se dispute à coups de versets bibliques. Ça, c'est des paroles mortes qui sont là pour apporter la mort. Or, l'esprit, l'épée de l'esprit, c'est celle qui va trancher entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme, et qui va donner vie à la parole écrite de l'Éternel pour qu'elle produise la vie, pas l'inverse. Est-ce qu'on peut... Une seconde, on va imaginer une seconde. Est-ce que les frères et sœurs ont raison de se balancer, excusez-moi le terme, des textes bibliques pour s'accuser, pour mieux se détruire, pour se faire la guerre? Quand nous savons que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Si quelqu'un était en droit de nous condamner avec la parole, c'est bien le Messie, c'est bien le Christ. Alors pourquoi nous qui nous réclamons du Christ utilisons cette même parole pour condamner nos semblables, alors que Jésus s'est pas permis de le faire? Quand on aura répondu à cette question, je pense qu'il y a beaucoup de guerres qui s'arrêteront entre nous, à partir du moment où on voudra bien mourir à nous-mêmes et puis mettre un peu notre orgueil de côté. Sinon, les guerres continueront. C'est évident. Priez en tout temps. Donc on est mené dans un combat qui est le combat qui n'est pas contre la chair et le sang. Et on terminera par cet aspect. Bien souvent, quand
Ceux qui nous entourent sont utilisés par le Seigneur pour nous frapper. C'est-à-dire qu'il va utiliser notre entourage ou ceux que nous rencontrons pour que nous puissions justement, d'une, avoir la foi éprouvée, notre foi éprouvée, mais également pour nous faire mourir à nos sentiments charnels. Et ça va automatiquement faire sortir les choses de notre cœur. Tout comme il l'a fait pour Abraham. N'aie pas peur, Abraham. Là, Abraham est sorti du bois. Il dit, ben non, j'ai pas peur, d'accord, mais tu m'as pas donné de descendance. Le Seigneur va permettre des circonstances qui vont nous faire parler vrai. Autrement, on parle religieux. On a un patois de Canaan. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es le créateur de toutes choses, ton nom est au-dessus de tous les noms, béni sois-tu, ô mon Dieu, merci pour le sacrifice de Jésus. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient nous frapper. Je peux pas encadrer ce gars! Ah, là, tu parles vrai. Là, t'es plus religieux, là. Là, il n'y a plus le patois de Canaan, Seigneur béni. Là, celui-là, t'as bien envie de le détruire. Et le Seigneur permet ça. Et puis si on comprend ce qu'est le combat spirituel, on va se dire, attention, qu'est-ce qu'a dit Paul? Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter. Ah, donc ce n'est pas la personne qui est le problème. C'est ce qui anime la personne qui est le problème. Donc, première question, Seigneur, il n'y a pas de hasard dans ma vie. J'ai été confronté à cette situation où quelqu'un s'est fortement opposé à moi et m'a même blessé, fait du mal. Pourquoi? Que dois-je comprendre? Première réaction, Seigneur, est-ce bien de toi? Si c'est de toi, je l'accepte. Pourquoi? Parce que justement, à travers cela, je vais apprendre. Je vais mourir à moi-même, je vais porter ma croix et je vais pouvoir manifester les sentiments du Christ dans cette situation précise. Si ça vient de l'ennemi, tout comme Paul, Seigneur, je le refuse. Mais c'est toi qui règles le problème, pas moi. C'est pas moi qui vais remonter mes manches pour aller taper sur cette personne parce qu'elle m'a offensé. Seigneur, je te remets cette situation. Parce que je sais, moi, que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, mais contre les esprits, les principautés. Et c'est intéressant parce que les dominations, c'est arché. Et arché, ça peut être un dirigeant ou un magistrat ou quelqu'un qui a une autorité parmi les hommes. Donc là, on voit bien qu'on est quelqu'un qui peut avoir une autorité sur nous. Alors, c'est pas forcément le président de la République ou un ministre. Non, ça peut être quelqu'un qui a une autorité sur nous. Notre patron, notre chef de service, notre responsable, notre conjoint, nos parents. Une autorité. Et puis, ils vont être utilisés justement pour nous redresser. Parce que le Seigneur va les utiliser pour nous édifier. Et alors, on n'a pas... La domination, elle peut venir à travers les hommes. C'est ça que ça veut dire. C'est parfaitement arché, c'est humain. Mais qui est utilisé à d'autres fins. Et puis, il y a un autre niveau, il y a les princes, les principautés. Alors ça, c'est cosmokratos. Les cosmokratos, ce sont donc les princes de l'âge, le maître du monde. Et là, on voit bien que c'est des autorités démoniaques. Par contre, c'est des autorités, des anges particuliers, des démons particuliers, qui ont des autorités spirituelles sur des régions. Et dans le judaïsme, il est dit que chaque nation a un ange. Malach, en hébreu. Alors, l'ange d'Israël, parce que c'est le peuple de Dieu, c'est Michaël. Le Malach, c'est l'envoyé de Dieu. Michaël, Michel, traduit en latin. Et les nations qui n'ont pas voulu suivre l'Éternel ont un ange qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Donc je crois vraiment que ce sont eux les princes. Ce sont ces fameux anges-là qui sont là, non pas pour faire du bien à notre nation, mais pour la détruire. Là, on est dans les princes. Cosmokratos. Et puis, il y a les pneumatikos. Et là, ce sont tous les esprits qui sont tributaires aussi, qui dépendent aussi des cosmokratos, si vous voulez, des princes, et ils vont là pour être dans les hommes, inspirer les hommes, influencer les hommes. Et eux vont influencer les archés, c'est-à-dire les personnes
qui ont autorité sur nous. Quand il y a une querelle, il y a un esprit de querelle qui est quelque part. Quand il y a de l'orgueil, il y a un esprit d'orgueil qui est quelque part, qui anime les personnes, qui anime une conversation. Et si nous nous discernons ça, on ne va plus regarder notre prochain comme étant la source du problème, mais ce qui anime notre prochain. Et donc nous allons pouvoir prier pour notre prochain. Seigneur, qu'il ne soit plus sous l'influence de cet esprit. Ça lui fait mal à lui-même et ça me blesse moi. Seigneur, règle ce problème. Je te prie pour mon frère, pour mon ami, pour mon prochain, afin que tu le délivres de cet esprit qui l'anime, qui nous détruit tous les deux. Vous voyez, vous n'êtes plus en train de... Vous pouvez prier pour votre ennemi. Parce que votre cible n'est pas la chair et le sang, mais la principauté, le gouvernement et l'esprit qui est derrière. Et là, vous êtes dans le combat spirituel. Mais autrement, c'est plus facile pour un homme de voir une personne en chair et en os et de s'en prendre à elle. Il n'y a pas besoin d'être spirituel, là. Il suffit d'avoir une bonne batte de baseball et puis c'est réglé le problème. Tandis que là, attention, on est dans le combat spirituel. Et quand le Seigneur Jésus disait, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur sa tête quand vous priez. Alors moi, j'ai vu des chrétiens, je vais sérieusement prier pour lui. Alors. Parce que qui crame bien, qui grille bien en enfer comme une châtaigne. Il y a encore cet esprit de ah, il va payer, il va morfler, vous allez voir. Non. C'est quoi les charbons ardents? Ben, c'est que il va plus supporter cet esprit, il va chercher une solution. C'est des charbons ardents sur sa tête. Seigneur, mais si t'existes, montre-toi. Je comprends pas, j'en peux plus de cette vie. Je suis animé par quelque chose qui me dépasse. Non. Et tout ça parce que vous priez pour cette personne. Et tout d'un coup, l'évangile se tourne vers le Seigneur. Et cette personne que vous vouliez détruire devient votre frère, peut être votre compagnon de service, peut être quelqu'un qui va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez espérer, simplement parce que vous ne serez pas trompé de cible. Donc vous voyez que le combat spirituel, on pourrait en dire encore maintes et maintes choses, mais on n'a pas le temps. La prière et le combat spirituel se remportent sur deux plans. Premier plan, notre foi. Deuxième plan, faire la volonté de Dieu dans ce combat et ne pas se tromper de cible. Et ne pas oublier qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu, l'adorer, le louer pour toutes circonstances de nos vies, même négatives, parce qu'elles sont toujours une occasion pour nous de manifester les sentiments et les émotions du Christ. Et la véritable adoration, c'est pas des quantités de cantiques ou de chansons qu'on va chanter en se trémoussant sur une scène. Je suis désolé, c'est pas comme ça. La véritable adoration, c'est un esprit d'obéissance. C'est le parfum qui était devant le voile du Saint des Saints. L'encens qui était brûlé, ça, c'est l'adoration. Un esprit d'obéissance. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, qui laisse Dieu agir dans sa vie, qui laisse son esprit être remis à la position d'autorité dans son être, son âme soumise à l'esprit et le corps soumis à l'âme. Faire mourir par l'esprit les œuvres du corps. Alors, notre foi augmente. Nous croyons en l'Éternel et en sa parole. Nous proclamons sa parole. Nous manifestons les sentiments et les émotions du Christ. Et nous sommes amenés dans le combat, pas pour que nous luttions nous-mêmes, mais en étant revêtu de la totalité de Christ, le casque du salut. On n'en a pas parlé, mais juste 30 secondes. C'est quoi le casque du salut? Vous croyez vraiment que vous êtes sauvé? Pourquoi c'est sur la tête, le casque du salut? Parce que c'est par la tête que nous réfléchissons. Et quand nous commençons à gamberger, alors est-ce que je suis vraiment sauvé parce qu'il y a ça? Oui, mais alors là, je dois douter de mon salut. Je vois ça dans ma vie. Ah, je ne suis peut-être pas... Ah, c'est fini, vous gambergez. Mettez le casque du salut. Arrêtez de gamberger. Croyez ce que Dieu a dit. Tu crois que Christ est mort pour toi, pour la rémission de tes péchés. Tu es convaincu du péché. Tu as demandé pardon au nom de Jésus-Christ pour tous tes péchés. Et tu as décidé de vivre selon le cœur de Dieu. Point, t'es sauvé. Va pas plus loin. La Bible le dit. Point, ta foi. Le casque du salut. Mets-le. Arrête de gamberger sur ton salut. T'es sauvé si tu crois cela. Si tu as demandé pardon, si tu es convaincu de péché, que tu as demandé pardon, c'est réglé.
en Jésus-Christ et réconcilié avec Dieu. Et puis, quand nous sommes dans les combats, nous ne nous trompons pas. Alors oui, il peut y avoir des guérisons, des résurrections de morts, parce que c'est la marche normale dans le combat de l'Église. Mais aujourd'hui, notre gros défaut, c'est qu'on n'a pas laissé notre esprit prendre autorité sur notre âme. On n'a pas laissé l'Esprit de Dieu prendre autorité sur notre esprit. Et nous manifestons plus des œuvres de la chair que des œuvres de l'esprit. Alors le Seigneur limite les réponses qu'il a à nous donner. Et quand nous n'avons pas les réponses qui vont dans le sens que nous imaginons, plaçons-nous devant le Seigneur pour qu'il nous explique ou attendons avec patience la réponse qu'il nous apportera. Parce que lui seul sait quelle est la meilleure réponse à donner à une situation précise, dans un temps précis et d'une manière précise. Nous n'avons pas toutes les données en main. Seul lui les a. À partir de là, nous pouvons rentrer dans le combat parce que nous avons une foi fortifiée et nous avons revêtu les armes de l'esprit qui ne sont rien d'autre que revêtir Christ. L'Erlé Shalom.